Salut à tous, c'est Mister Hidou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Beyond Two Souls. Vous l'attendiez sûrement, enfin la suite. Après toutes mes petites vidéos un peu délire à côté, c'est bon, on reprend le chemin normal. Et donc souvenez-vous, dans le dernier épisode, on était parti pour aller tuer un dirigeant qu'on croyait un peu méchant et tout. Sauf que finalement, on a appris qu'on a été manipulé. En plus, pour le tuer, on a dû prendre possession du... Enfin, avec Aiden, on a pris possession du corps d'un autre homme. Sauf que cet homme, en fait, c'était le père d'un petit garçon qu'on avait sauvé juste avant. Enfin bon, voilà, ça a été un gros n'importe quoi. On a été pourchassé, sauf qu'on a réussi à s'en sortir plus ou moins indemne. On s'est pris quelques balles dans les jambes, mais tout va bien. Et donc, on a sauté de l'avion après avoir discuté assez violemment avec Ryan. Et c'est ainsi que l'histoire continue. Donc nous sommes dans un train. Très bien. Il pleut aussi. Ouais, j'aime bien décrire comme ça, faire la narration un peu. Oh, mais comme c'est bio. Oh. Aiden est obligé de se mouiller dehors, c'est ça? Non mais oh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, on peut embêter les gens? Intéressant. Tiens, coup de frisson. Et toi, qu'est-ce que t'es en train de lire? Tu sais pas lire, de toute façon. Oh ben, je suis pas doué ou quoi? Je sais plus tenir un livre? Et toi, tu bois même pas de café? C'est juste pour passer le temps ou il y a vraiment un truc à faire avec Aiden? C'est trop loin. Toi, qu'est-ce que t'es en train de lire, hein? Je parie qu'il n'y a rien de marqué sur tes pages. Ah, si. Par contre, j'arrive pas à lire. Je sais pas. C'est pas du tout. Allez, réveille-toi. Oh, allez. Et on se fait chier. On se fait chier. Bon, est-ce qu'on doit faire quelque chose ou... attendre que le train s'arrête? Ah, la cinématique qu'on aime bien. Oh, on va se faire repérer, c'est ça? Je le sens mal, ça. Ils vont fouiller le train. Ils vont nous tomber dessus. Je le sens mal, ça. Ce sursaut, quoi. Non, mais réveille-toi, là. C'est vraiment urgent. Et ouais. Donc du coup, oui, il y a un peu la CIA qui est à nos trousses, à notre recherche. Hein. Parce qu'on a un peu fugué. Lève-toi. Je vais aux toilettes, c'est bon? T'as pas le droit d'aller aux toilettes? Oh mon dieu. Oh merde. Je me fais griller direct, moi. Oh mon dieu. Mode Matrix dans un train. Il faut courir, là. Faut pas t'arrêter, là. Si on me prévient pas que je dois reprendre les commandes. Wouh! Allez! Allez! Je sais pas jusqu'où on court, mais on y va. Allez! Ah merde, j'avais pas vu la valise! Je regardais pas ses pieds, moi. Ça va, heureusement qu'ils sont lents! Casse-toi! Me regarde pas comme ça, toi. Wouh! Pousse-toi! Mais non, ça va très bien, allez! On continue. On n'a pas le temps de s'arrêter. On passe par une fenêtre. What? Mais... allez. Il y a une fenêtre qui doit s'ouvrir, non? Team, allez, saute. Saute, 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 saute. Oh. Non, 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 pas touche. Pas touche. Team. Allez, Jody. Ok, c'est bon. Non, mais le mieux, c'est de sauter du train. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Coucou, toi. Oh, merde. C'est bon. On continue. Allez. Oh, foutez-moi la paix. Mais non, mais... oh, oh. Merde, j'ai pas compris, là. Mais je l'ai fait, là. Wow.
Allez, Jody! Allez, Jody! Allez, Jody! Allez, Jody! Oh mon dieu! Bim! Et bim! Et bim! Toi, tu sautes. Ah non. Je l'ai fait là-haut. Ils sont pas gentils, hein. Bim, t'as plus de tête. Allez, va te coucher. On a de l'entraînement, mon gars. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Dieu. Non mais faut sauter, hein, y a pas le choix. Fouille hein. Avec le bouclier, voilà, le petit bouclier qu'on aime bien. Un petit peu plus vite, ça serait pas mal quand même. Je veux bien un peu de ralenti, mais quand même. Wow, comme c'est beau. Raté, bande de nuls. On n'est pas dans la merde, nous, du coup. On est au milieu de nulle part. Ça va être génial. Est-ce qu'on va devoir combattre un ours? Je le sens bien, ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien, l'ours. Non, sans blague, Aiden. Ah, des chiens. Très bien. Un hélico, en plus. Ben oui. Eh mais... Ils ont envoyé carrément toute l'armée contre moi, hein, c'est pas possible. Je vois rien du tout, là. Ça bouge dans tous les sens. Hop là, petite esquive. Ouh, magnifique saut. Oh mon dieu. Nouveau gameplay, appuyez sur L1 et R1 en alternance. Allez. Tu peux le faire, Jody. Heureusement qu'il vise aussi bien que des Stormtroopers. Allez. Faut que j'aille où? Je sais pas. Non, pas par là. Ah bah oui, tiens, le chien. Désolé, mon petit toutou, mais là... On va être obligé de t'assommer. Eh, hey, viens te battre. Ou va chercher. Je sais pas comment elle veut faire, mais... Non, ok, c'est bien de battre. Ça aurait pu être un va chercher, hein. Eh, hey, mais... J'étais en train de faire un geste. Boum. Mais tu vas lâcher ce bâton, oui. Boum. Oh, mon dieu. Tu pues de la bouche. Oh, oh. Je crois qu'il a eu mal. Ok, il est parti, c'est bien. Oh, mais non, mais... Je te caille ça, moi. Allez. Go, 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 go. Je sais pas par où aller. Ah, faut monter là, très bien. Ok, on assure ses prises. Ça serait con de tomber, Jody. On y est presque. Allez. Ah ben non, je suis pas en haut, c'est sûr. Non, non, non. Bande de bigleux. Pouh. On a eu chaud. On a eu très très chaud. On a surtout eu de la chance qu'il soit bigleux en fait, hein, parce que honnêtement, il suffisait juste qu'ils bougent un tout petit peu leur lampe torche vers nous et c'était bon. Et merde, on peut peut-être prendre une de leurs voitures. Je suis un ninja. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben voilà, le petit mec dont on peut prendre possession. Oh, il a l'air d'avoir une belle moustache, celui-là. Ah non, pas tant que ça. C'était le micro, en fait. Allez, on se casse.
Je me dis pas que les autres ils vont rien dire, genre oh bah c'est normal, c'est notre collègue, il s'en va. Ah bah voilà, oh oui, en plus c'est pas très discret. Mike, tu sais plus conduire, qu'est-ce que tu fais? Non mais il y a un moment où il faut tourner le volant, hein, sinon ça passera pas. Allez, allez, go 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 go! Ah non, c'était juste pour. Ah, ok! Oh yeah! Moto! Je pensais qu'on allait prendre la voiture, moi. Ça aurait été plus discret. Enfin, plus discret, je sais pas trop, mais. Oh mon dieu, c'est nous qui les dirigeons! Très bien! Wow, c'est très bizarre. Ça fait quoi si je me plante? Je suis curieux là. Ah, c'est très bizarre, mais. Mais ça fait plaisir de voir ces différents angles de vue et tout. On se croit vraiment dans un film en fait. C'est ça le plus fou. Oh mon dieu. On est foutu. Non? Ouais. Et à un moment, il faut qu'on s'arrête. Hein. Oh, bah oui, tiens. Carrément le SWAT. Et ils veulent nous abattre, c'est pas possible. Pourquoi ils veulent nous abattre? On s'est juste enfui. Laissez-nous en paix, quoi. Quoi? Oh, ça sent le bouclier, ça. Oh, oui. C'est parti! Chargé! Bouclier! Et là, nous sommes tranquilles. Yeah. Oh, le soulèvement des voitures. Comme c'est beau. Michael Bay n'a qu'à bien se tenir avec toutes ces explosions. Vers Bakerton, très bien. Intéressant comme nom de ville. Ok. Oh mon dieu. Oh non. Ouch. Ça doit bien érafler la peau là. Ils vont jamais nous laisser tranquilles, c'est pas possible. Non mais genre là, ils auraient pu m'immobiliser très facilement quoi. Genre lui là, il pourrait nous tirer dans la jambe et on pourrait plus bouger et c'est bon quoi. Oh, je le sens mal ça. Ah, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, une voiture qui saute. Ah ben voilà ce que je voulais. Ton corps m'appartient. Vous deux là, derrière la voiture, vous croyez que je vous ai pas vu? Bim! Ça va exploser. Boum! Vous pourrez rien faire contre moi. Il y en a un autre dans sa voiture là. Voilà. Tu vas faire pareil, tu vas foncer dans le magasin en face. Putain de caméra qui s'est arrêtée. Voilà, c'est mieux. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, ma caméra. Elle arrête pas de s'arrêter en permanence. Oh, mais calme-toi. Faut me le demander plus tôt aussi. Hein. Tiens, donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oh mon dieu, ils sont en train d'encercler le truc. Tiens, voilà, je peux sauter la moto, mais ça sert à rien. Je peux rien faire. Y'a rien. Ah, mais si, l'hélico, bien sûr. Voilà. Un peu d'action, c'est bon, on arrive. Oui, mais tu vas te calmer tout de suite. Sinon, tu vas t'en prendre une. Hein. Tiens. Barrage avec l'hélico, ça sera parfait, ça. Ouh. Ok, ça c'est du niveau Michael Bay. Waouh, waouh, waouh. Je crois qu'on a assez foutu le bordel comme ça. Hein. Ça aurait été encore plus classe si elle sortait genre même pas mal.
On fait pas chier, Jody. Je suis sûr que c'est elle qui va remplacer Rambo bientôt. Ouais. Je crois aussi. Le message était suffisamment clair. Comme c'est beau. Il y a de la neige partout. Ah oui, c'est même très enneigé, en fait. Ça sert à rien de me chercher. Je suis une ombre, je suis un ninja. Tu vois ? On est surtout un peu dans la merde, quoi. Allez, Jody. Fais pas ta petite vieille. C'est bon, t'as connu pire. Non, je déconne, honnêtement. Être dans le froid comme ça, j'aimerais pas trop. Bien, du coup, jusqu'où allons-nous comme ça ? Parce que c'est bien beau, on s'est enfui et tout, mais pour l'instant, on vadrouille, quoi. Ah, téléphone ? Est-ce qu'on a des pièces encore ? Ouais. Notez-le bien. Ça doit être le numéro du professeur, je pense. Nathan? Bingo! Jody, where are you? Turn back. They're all around me. Good God, Jody, what's happening? Mais on s'enfuit, hein, on t'avait prévenu, hein. I'm so tired. I don't think I'm gonna make it. Viens nous chercher, aide-nous à nous cacher. I'll come right now, Jody. Ouais, mais tu vas pas nous livrer aux autres, hein, j'espère. Ah non, même pas, on lui demande même pas de l'aide. C'est bizarre. Ok, on l'a juste appelé pour lui dire que ça allait mal. Qu'est-ce qu'on a là, dans cette petite ruelle? Oups là! Eh, relève-toi, hein. Eh toi, bouge-toi! Oui! Allez, va nous aider! Non mais... Tu vas te bouger, oui? Sérieusement? Bouge de ta putain de poubelle! Regarde derrière toi! Ah bah quand même! Non mais... Tu l'as vu là? Ouais, ok. J'ai eu peur. Tu vas nous aider, hein, tu vas pas piquer notre portefeuille quand même. Non, c'est bon. Où est-ce qu'il va nous emmener? Peut-être bien dans un camp de sans-abri, je crois. Oh. Jody, no! What? Et il nous connaît? What the fuck? Come on, girl. Ah non, ça doit être une ellipse pour faire passer le temps. Je sais pas, je sais plus. Hey. Hey. I was beginning to think you'd never wake up. Non, c'était pas une ellipse. What the fuck? Pourtant, ça avait l'air de venir du futur. You're my place, kid. Not very luxurious, but... Home sweet home. Quiet. Finding the streets a few days ago. Ah si, quand même, quelques jours. Mais je crois pas que ce soit ça, en fait. Come on, somebody had to. Couldn't leave you lying there. Dying like a dog in the street. Ah, t'aurais pu, hein. Y'a des gens qui le feraient, hein. I'm Stan. Enchanté, Stan. Jenny. Jody. J'ai cru qu'elle allait inventer un fond de nom, histoire de... se faufiler et autres, mais non. Nice to have some company every once in a while. Eh bien, heureusement qu'on est là. Strong. Tastes like shit, but hold you up against the cold. Du bon vieux jus de chaussette. Niam niam niam. Ouais. How long you been on the streets, kid? Éludé. I don't know.
J'ai pas trop envie de tout lui dire, là. Je ne le connais pas. Après, voilà, je vois bien que c'est un sans-abri. On dirait que ça fait longtemps qu'il est là, mais... On sait jamais. Il suffit que les flics arrivent et ils disent « Vous avez pas vu cette fille ?» Et voilà. Even live with nothing. You want to run? Pas vraiment quelqu'un. Crazy boyfriend, something. Tout un groupe de quelqu'un. Et éludé. I guess I'm running away from me. Oh, ain't mais quelle all. Philosophie. Ain't we all. Ain't a problem, Lewis. You never can run far enough to forget exactly who you are. You got some place to go? Family. Friends. La famille, on peut oublier. Moi, j'avais pensé au professeur. Là, on peut lui dire la vérité. Non. Mais ouais, voilà, je m'en doutais qu'elle allait dire non. Yeah, I guess there is someone, but I don't want to see him now. Not like this. Ah, parce qu'en fait, elle aurait honte de se montrer comme elle est aujourd'hui face au professeur. Bah, pff, moi, je pense pas qu'il y ait de honte à avoir. Stay here if you like. I ain't got much to share, but whatever I got's yours. C'est gentil, ça. Thanks. Très gentil. Allez, on se réchauffe un peu les mains. Ça fait du bien. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode, au milieu de ce camp de sans-abri. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, l'aimer, la commenter. Comme toujours, c'est très important de partager la vidéo. Je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu en général, ou même de cet épisode, si vous avez, si vous voulez vous exprimer, donner votre avis, je sais pas, sur Jody, sur les sans-abri ou autre. Voilà, n'hésitez pas, hein, très franchement. Je prendrai part au débat, ça me ferait énormément plaisir aussi. En tout cas, je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir sur ma chaîne. N'oubliez pas que très bientôt, je vais fêter les 2 ans, et aussi éventuellement les 200 abonnés de ma chaîne par une vidéo un petit peu spéciale que je suis en train de préparer. Par contre, elle va me demander un petit peu de temps à monter, peut-être même beaucoup de temps, donc ça risque d'être un peu en retard, peut-être plus vers fin avril en fait. Enfin bon, je verrai ça en fonction du temps que j'aurai pour la monter en fait. Donc, n'oubliez pas de regarder dans la description, vous avez les liens vers les réseaux sociaux pour vous informer très régulièrement sur l'évolution de ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans une toute autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et salut à tous.